اليوم سعيد باستقبال زميلتي وصديقتي كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الجمهورية الفرنسية. كاترين كولونا كتعرف المغرب وجات له في اكثر من مناسبة وبصفات مختلفة، ولكن هذه اول زيارة لها كوزيرة الخارجية الفرنسية الى المغرب، لهذا فهذه الزيارة هي مهمة ومهمة جدا باعتبارها اول زيارة للسيدة الوزيرة الى المغرب. مرة اخرى مرحبا بك في هذه الزيارة. الزيارة لها أهمية خاصة كذلك من منطلق أنها تأتي في إطار تحضير للقاءات على أعلى مستوى بين البلدين خلال بداية السنة، خلال 3 أشهر الأولى من السنة المقبلة، وتأتي كذلك من منطلق الأهمية الخاصة ليوليها جلالة الملك محمد السادس للعلاقة التقليدية المتجدرة مع الجمهورية الفرنسية. لقاءنا اليوم كان مناسبة باش بتعليمات من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس باش نشتغلوا على التحضير لهذا الاستحقاق اللي غيكون على أعلى مستوى، ولكن كذلك كان مناسبة باش نشوفوا واقع العلاقة بأسسها الصلبة، بمظاهرها المتعددة والمتنوعة، ولكن كذلك ببعض الإكراهات اللي مرة كتواجهها وكيفية التعامل معها. كنظن بأن نقاشنا اليوم حول العلاقات الثنائية وضح بأن هناك تطابق في وجهة النظر، تطابق حول الرؤية لتطور هذه العلاقة انطلاقا من تعليمات جلالة الملك محمد السادس. Je souhaite d'ailleurs, et pour illustrer peut-être mon propos, mentionner devant vous un sujet qui nous a occupé un peu ces derniers mois. Sachez que nous avons pris des mesures avec nos partenaires marocains pour la reprise de l'activité consulaire normale. Et j'ajoute que c'est fait. Et pour restaurer une relation consulaire complète entre nos deux pays. Notre objectif est bien de rehausser les échanges humains entre le Maroc et la France, de favoriser encore davantage cette imbrication profonde de nos sociétés qui fait que cette relation est si singulière. Le capital humain qui existe entre nous est un atout pour notre pays. Et donc ces échanges sont et resteront le socle de notre relation bilatérale, son moteur pour l'avenir, parce que je veux vous parler d'avenir, et j'ajoute que je suis heureuse d'avoir pu y prendre ma part. Plus généralement, et au-delà de ce sujet, la densité du partenariat franco-marocain ne s'est jamais démentie, ni tarie ces dernières années, et ce dans tous les domaines économiques, culturels, éducatifs, sécuritaires, universitaires, il y en aurait bien d'autres à citer. Alors nous sommes convenus d'approfondir encore notre travail conjoint pour lancer de nouvelles pistes de coopération allant au-delà de celles qui nous unissent aujourd'hui, et donc dans des domaines clés pour le Maroc comme pour la France. Et bien sûr, comme le ministre vous l'a dit, nous souhaitons progresser à bon rythme pour permettre à la visite d'État du président de la République de marquer cette ambition que nous avons pour nos deux pays. Voilà pour le premier point. Je vous parlais de convergences que nous avons pu constater à nouveau ce matin. Elles sont réelles, elles sont importantes, elles sont grandes même, dirais-je, sur de nombreux sujets. Sur les questions internationales, nous en parlerons encore tout à l'heure, mais nous avons commencé de les aborder. Le Maroc et la France sont à l'unisson. Le partenariat franco-marocain peut d'ailleurs être un moteur dans le traitement de certains des défis qui sont devant nous. Tout ce qui a trait aux questions globales, évidemment. Nous avons des visions et des ambitions très proches et pouvons agir en commun. Mais aussi tout ce qui a trait au continent africain. Nous avons abordé un certain nombre de situations. Sur la lutte
contre le changement climatique, sur l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde, sur les questions énergétiques, sur les questions si importantes désormais de croissance durable, durable et inclusive, nous y sommes attachés des deux côtés, de lutte aussi hein, contre le terrorisme, la radicalisation, surtout les enjeux de transition écologique, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous faisons le constat que nous avons énormément à apporter l'un à l'autre et nous souhaitons donc utiliser ces convergences dans le cadre de la préparation de la visite d'État et pour que la visite d'État permette de se situer au niveau d'ambition que nous souhaitons pour nos deux pays. Et j'ajoute que, au-delà des simples relations franco-marocaines, dans ce monde complexe, pour ne pas dire dangereux, incertain, qui est la réalité du monde dans lequel nous évoluons, ces convergences sont importantes. Nous devons les utiliser, nous devons nous appuyer l'un sur l'autre et nous avons décidé de le faire. Et ce partenariat franco-marocain, vous voyez qu'il est profondément ancré dans une vision du monde que nous partageons, un attachement au respect de nos valeurs, au respect du multilatéralisme, au droit international. Et c'est là aussi un atout dont nous devons nous servir. Et donc en résumé, je dirais que notre volonté est simple, c'est d'être dans une relation de partenariat, je reprends le qualificatif exemplaire avec le Maroc, un partenariat d'exception, un partenariat fraternel et un partenariat moderne. Et nous savons, le ministre en disait quelques mots tout à l'heure, nous savons que cela suppose des deux côtés aussi de nous adapter aux attentes légitimes du Maroc qui s'est profondément transformé, qui continue de se transformer et qui joue un rôle majeur aujourd'hui en Méditerranée, en Afrique. Et de lui proposer ce que la France, qui elle-même se réforme, s'adapte, se transforme, qui elle aussi a changé profondément, lui proposer ce que nous avons de meilleur pour construire un partenariat où nous pouvons agir ensemble. Et donc la position de la France est bien connue du Maroc comme de tous nos amis au demeurant. J'ai tenu à la rappeler ce matin auprès de l'un de vos confrères et c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et nous souhaitons, ça n'est pas nouveau non plus, la reprise des négociations entre les parties en vue d'une solution juste et réaliste. Et donc dans ce cadre, et on l'a mesuré les années passées, avec constance, je le redis, la position de la France aux Nations Unies, en particulier pour le renouvellement du mandat de la MINURSO, a été, je crois pouvoir le dire, apprécié du Maroc. Et si votre question porte, en complément, madame, sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a déjà quelques années, et bien depuis quelques années, là aussi, je crois que notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain, c'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc. Nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Et donc nous ne changeons pas. Et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France, en particulier dans un moment où les tensions étant revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ayant été constatées, eh bien il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons. J'ai tenu à le répéter encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question que nous discutons, mais ce n'est pas une question qui domine nos discussions. La France, je pense, est consciente de l'importance de la question du Sahara marocain pour absolument, le Maroc, absolument, pour le peuple marocain absolument. Et pour les forces vives de la nation marocaine. La France a eu, et depuis le début, des pionnières dans l'appréciation et le soutien au plan d'autonomie. Madame la ministre a
parler pour la relation bilatérale d'un besoin d'adaptation et de rénovation. Le dossier lui-même, le dossier du Sahara, a connu récemment des évolutions importantes. L'environnement du dossier du Sahara, l'environnement régional, géopolitique, a lui-même connu des évolutions. Et ces évolutions, sans remettre en cause des fondamentaux auxquels le Maroc est attaché. Le Maroc n'est pas pour une solution dehors de l'ONU. Le Maroc n'est pas pour une solution imposée. Mais le Maroc considère qu'il est temps de définir des positions par rapport à l'objectif des processus onusiens, pas par rapport aux processus eux-mêmes. Les processus ne sont pas un objectif en soi. Les processus doivent nous amener à une solution. Et il est fondamental que des pays qui sont proches de cette région, qui ont une très bonne connaissance de ce dossier, puissent contribuer à la définition de cette zone d'atterrissage ou de cette perspective de solution. Et bien sûr, les trois dernières années, grâce à l'action menée par Sa Majesté le Roi, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions de pays proches de la France, des pays, soit géographiquement, soit politiquement. Mais comme je l'ai dit, la France a toujours été pionnière et le besoin d'adaptation est peut-être là aussi sur la table et peut être examiné. Mais le Maroc n'a jamais considéré que la position de la France est négative, au contraire. Je vous ai dit tout à l'heure, et je le confirme volontiers, monsieur, que nous avons fait ce qu'il fallait pour reprendre une activité consulaire normale. Je crois même avoir ajouté « c'est fait ». Voilà, donc je vous le confirme, voter, c'est fait. Et donc, pour faire encore plus court et encore plus clair, mais je pensais avoir été clair, la réponse à votre première question est oui. Alors sur cette... D'abord, sur cette question, trois ou quatre points. Le premier, c'est que lorsque les mesures unilatérales ont été prises, le Maroc s'est interdit de commenter. Le Maroc officiellement s'est interdit de commenter par respect à une décision souveraine et unilatérale prise par les autorités françaises. Bien sûr, il y a eu des réactions, disons, populaires ou des gens qui sont concernés et je pense que tout le monde a suivi ça. Aujourd'hui, la décision de reprise est une décision, encore une fois, unilatérale que le Maroc, encore une fois, respecte et ne commentera pas officiellement, mais c'est la normale dans la relation, et Madame la ministre a évoqué cette dimension humaine qui est fondamentale pour nos relations. Mais une décision unilatérale au début, encore une fois une décision unilatérale qui va dans le bon sens, et tant mieux. Sur crise, je ne pense pas que il n'y a pas de crise maroco-française. Madame la ministre l'a expliqué. Il y a le besoin de rénover, d'adapter cette relation. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc a évolué en interne, économiquement, politiquement, etc. Le Maroc a beaucoup évolué grâce à cette vision royale au niveau interne. Grâce à la vision royale, le Maroc a également renforcé son déploiement à l'international, son protagonisme à l'international et a diversifié ses partenariats. Est-ce un handicap, est-ce un atout pour la relation? Nous le considérons comme un atout pour la relation. Le Maroc a changé en interne et dans son déploiement à l'international. L'environnement, la France, Madame la ministre l'a dit, a changé. Et l'environnement, notre environnement régional, notre environnement géopolitique a changé. Cette relation ne peut pas, tout en gardant ses fondamentaux solides, a besoin de tenir compte de ces évolutions. Et dans ses mécanismes, dans son approche, dans son contenu, la relation doit
s'adapter à ces évolutions, doit tenir compte de ces évolutions. Et comme je l'ai dit, un Maroc plus fort en interne, avec plus de protagonisme à l'international, avec une diversification des partenariats, ce n'est pas un handicap pour la relation maroco-française, au contraire, c'est un atout pour la relation maroco-française. Madame la ministre l'a dit, la France, la relation maroco-française a des bases solides, a une spécificité incomparable avec d'autres, mais qui doit s'adapter à ces évolutions du Maroc et du contexte et de la France. Des deux côtés. Merci. Je l'ai dit, et vous voyez qu'on aborde cette adaptation nécessaire, au demeurant, dans un esprit positif, constructif et je dirais même volontariste. Oui, c'est un atout de voir que le Maroc a pu évoluer, a pu développer aussi dans la région et au-delà un rôle qu'il n'avait pas il y a quelques années. Nous-mêmes, nous nous transformons, nous nous réformons. Et donc, il faut évidemment s'adapter, c'est un phénomène naturel et c'est ce qui permet de placer notre relation pour les décennies, mais disons déjà 10 ans qui viennent, sur un haut niveau de qualité plus moderne, telle que la situation d'aujourd'hui le requiert et les défis d'aujourd'hui le requièrent.